suis Pierre Wolkenstein, je suis professeur de dermatologie, chef du service de dermatologie de l'hôpital Henri Mondor. Le service de dermatologie de l'hôpital Henri Mondor est un service académique implanté sur un territoire. À ce titre, il présente toutes les structures possibles pour le soin des malades. Une consultation, un hôpital de jour, une hospitalisation traditionnelle, une unité de soins continus et également une permanence des soins et une garde. Tous les secteurs de la dermatologie sont représentés. L'infectieux, l'inflammatoire, l'oncologie, les maladies rares avec les toxidermies sévères, les dermatoses bulleuses et également les neurofibromatoses. Violaine Milo, actuellement cadre en dermatologie, service très dynamique où les soins techniques prodigués y sont très variés et spécifiques avec 18 lits d'hospitalisation complète et 2 lits de soins intensifs pour les patients atteints du syndrome de l'aïeul pour lesquels nous sommes centre de référence. Des formations sont proposées en continu avec possibilité d'évolution de carrière. Un programme d'éducation thérapeutique est en plein essor. Un passage en 12 heures sera mis en route très prochainement à la demande des équipes. Rejoignez une équipe dynamique, motivée et investie. Je m'appelle Sabine, je suis infirmière depuis 17 ans et j'ai 14 ans de dermatologie derrière moi. La dermato, c'est un service où j'ai appris et où je continue à apprendre beaucoup. Contrairement aux idées reçues, on est confronté à vraiment de nombreux soins techniques en tout genre, à des pathologies très diverses et variées comme la cancérologie, les pathologies infectieuses, les pathologies auto-immunes, avec des soins et des savoir-faire qui évoluent vraiment tout le temps. Nous serons ravis de vous y accueillir, la diversité y est importante et la variété du travail également.